Alors bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 12 juillet. Alors, à l'ordre du jour, on va commencer par ouvrir la séance officiellement. Et pour le faire, on a un conseiller qui va nous parler. Bon. Nous, membres du conseil ministériel de Sainte-Christine-Nouvelle, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-Nouvelle, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci, M. Paquet. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès verbal de la séance du 14 juin 2021. Réponse à la question laissée en suspens. Le point 4, c'est première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 5, adoption des comptes payés et à payer. 6, demande d'aide financière de l'association DC incorporée. 7. Libération du paiement final à la compagnie Côté et Fils incorporée pour l'achat d'exerciceurs. 8. Donc, juillet 2021. 9. Renouvellement du mandat avec le YNCA Québec. L'urbanisme maintenant. L'adoption du règlement numéro 254-21 modifié le règlement de construction de zone numéro 184-14 et 186-14. Afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux mini-maisons, d'agrandir la zone RARU 6 et d'ouvrir la nouvelle zone RARU 7. Concernant la voirie, point 11, achat d'un radar pédagogique, 12, loisirs et développement, l'autorisation exceptionnelle pour la fin de semaine du 20 août 2021 pour l'ensemble de la municipalité, 13, acquisition des lits, informations supplémentaires, 14. Remboursement de la subvention de programme Nouveaux Horizons 2018. 15. Autorisation pour la présentation d'un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Autre affaire, le 16. Ajout à la séance du 14 juillet 2021. 17. Période de questions et recueil des citoyens. 18. Correspondance. 19, points d'information, 20, levée d'assemblée. Est-ce que vous avez des points que vous voulez ajouter? Non. Sur mon avis, en fait proposition, M. Lausier. Adaptation du procès verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021. Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis. La directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021. Monsieur Ouellette. Il n'y a aucune question qui a été laissée en suspens. Première période de questions pour les gens qui sont dans la salle et qui ont acquitté. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée en date du 30 juin 2021 au montant de 34 579,02 $ et des comptes déjà payés durant le mois de juin au montant de 50 906,32 $. Et quelqu'un fait proposition? Monsieur Leclerc. Merci. Maintenant, tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire des ordres, fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 30 juin et ainsi que les cartes de crédit. Oui, je vais commencer par les cartes de crédit car je trouve pas mon document pour les frais d'avocat. Vous avez les chèques de mandat. Ah, oui, c'est ça. Ben oui, je reprends les chèques. Parfait. Merci. Donc, concernant la carte de crédit à Stéphanie, la trésorière adjointe, il y avait des cartes d'affaires pour l'urbanisme qu'on a rachetées au montant de 30 $. Concernant ma visa, dans le fond, on a un achat d'un aspirateur chez Canadian Tire pour les centres communautaires. Ensuite, on a des bureaux et des décorations pour le centre communautaire et les antivirus pour la municipalité, qui est de juin à septembre, ainsi que du matériel pour les trousses de secours qui manquaient à la piscine, pour un montant total de 778,70 $.
tandis qu'on parle de prendre du stock en haut, j'ai mis mes mains gardées pour moi. Il y a tout le monde? Essayez de péter. Ça se peut des fois quand il se fait trop longtemps que le gens, il est sec, il faut aller passer un petit trou à quelque chose. Je vais dire d'attaquer. Manque de moi à attendre. Faut le lubrifier en attendant. Oui, c'est ça. Faut tout le taponner. Quand je fais une chose que je fais. OK. Alors, des questions en rapport avec ça? Concernant les frais d'avocat? Non, c'est pas vrai, mais je veux dire, est-ce qu'il y en a des questions des jusqu'à date? Non, c'est beau, alors pas dire quelque chose. Concernant les frais d'avocat, on a deux nouvelles factures. Dans le fond, on a une facture pour l'entente annuelle de mars et avril au montant de 200 $, et puis on a aussi le dossier 10-21-21-35. Pour un total de 2869, qui totalise pour cette année en 2021 des dépenses de 8936,3. Des questions? Non? Alors, demande d'aide financière de l'association DC Incorporée. Je pourrais savoir c'est qui a adopté, qui a approuvé les comptes à payer. C'est demande d'aide financière de l'association DC Incorporée. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière sur la part de l'association DC Incorporée pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2021 au montant de 1 001,95 $ à l'association DC Incorporée, puisque à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Monsieur Paquet, merci. Libération du paiement final à la compagnie Côté et Fils Incorporée pour l'achat d'exerciceurs. Considérant que la municipalité avait donné un contrat à la compagnie Côté et Fils Incorporée pour l'achat et l'installation d'exerciceurs dans le parc d'Otfouette de la Vallée, en référence avec la résolution 83-04-21. Considérant que l'installation était prévue trop loin dans la saison, la municipalité a pris la décision d'effectuer elle-même l'installation des modules d'exercice par ses employés des travaux publics. Considérant que la livraison des modules a été effectuée dans la semaine du 4 juillet, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le paiement final à la compagnie Côté et Fils Incorporée au montant de 31 500 $ plus les taxes applicables et que les fonds soient pris tels que décrits dans la résolution 83-04-21. Madame Duchesneau, merci. Donc, au juillet 2021. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le versement de 125 $ à l'organisme MIRA. Que un versement au montant de 100 $ soit fait dans le cadre de la randonnée vélo santé de la Fondation de santé. Renouvellement. Personne qui a prouvé encore. Oui, M. Rosier, merci. Renouvellement du mandat avec le YMCA. YMCA. Considérant que le ministère de la Justice du Québec parraine l'organisme YMCA par le programme des travaux compensatoires, considérant que ce programme s'adresse à des citoyens adultes qui ont reçu une amende suite à une infraction à une loi du Québec, un règlement municipal ou une loi fédérale. Considérant que certains citoyens sont dans l'impossibilité de payer leurs amendes selon les options disponibles, ils peuvent compenser leurs dettes en travaillant pour des organismes sans but lucratif qui sont partenaires du programme. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est accréditée au programme des travaux compensatoires de Québec et qu'elle désire renouveler le mandat avec l'organisme. Considérant qu'à l'occasion, certains ou certaines, citoyens ou citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne peuvent être appelés à participer à ce programme. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne renouvelle le mandat avec l'organisme YMCA pour une durée de 3 ans afin de demeurer une municipalité d'accueil pour ses citoyens et citoyennes ou ceux et celles de la municipalité de la présidente puissent avoir accès au programme des travaux compensatoires du Québec. Je propose. M.
Monsieur Ouellet, merci. Adoption du règlement numéro 254-21, modifiant les règlements de construction et des zonages numéro 184-14 et 186-14 afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux mini-maisons, d'agrandir la zone RARU6 et de créer une nouvelle zone RARU7. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 10 mai 2021 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que la santé publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, soit du 20 mai au 30 juin 2021. Considérant que le second projet de règlement est adopté lors de la séance du 14 juin 2021. Considérant qu'un avis public annonçait la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été publié et affiché aux endroits ordinaires le 23 juin 2021. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant des personnes intéressées dans les zones visées, ainsi que des zones contiguës. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du conseil adoptent le règlement numéro 254-21, modifiant les règlements de construction et des zonages numéro 184-14 et 186-14, afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux mini-maisons, d'agrandir la zone RARU6 et de créer une nouvelle zone RARU7. Il en fait votre position, M. Paquet, merci. Maintenant, d'avoir l'achat d'un radar pédagogique. Considérant qu'après plusieurs demandes refusées de la part du ministère du Transport concernant la diminution de la vitesse chaque bout de la rue principale, considérant que la Sûreté du Québec fait de temps à autre de la sensibilisation afin que les usagers de la route diminuent leur vitesse sur la rue principale. Considérant qu'à la suite de ces démarches, la municipalité reçoit toujours des plaintes concernant la vitesse sur la rue principale. Considérant qu'afin de démontrer l'importance de diminuer la vitesse aux entrées du village, la municipalité doit amoncer diverses données. Considérant que la sécurité des citoyens est le mandat premier des membres du conseil, il est donc proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'achat d'un radar pédagogique modèle CAM 12.5S à la suite de la compagnie Trafic Innovation Incorporée au montant de 3 999 $ plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris à même l'excédent affecté en sécurité entretien. Monsieur Leclerc, merci. Maintenant, en loisirs et développement. Autorisation exceptionnelle pour la fin de semaine du 20 août 2021 pour l'ensemble de la municipalité. Alors, la semaine du 20 août 2021, c'est pour le 125e. Alors, le comité des fêtes 125e tiendra sa fête d'auvergne. Considérant que cette fête a pour but premier de rassembler les familles souches de la municipalité. Considérant que l'événement a été préparé pour gâter tous les citoyens en leur offrant une panoplie d'activités gratuites. Considérant qu'en vertu du règlement de zonage numéro 186-14, il est interdit d'utiliser une roulotte ou un véhicule récréatif à des fins d'habitation temporaire. Considérant que la municipalité peut toutefois autoriser occasionnellement, suite à l'émission d'un permis, pendant un court séjour, la présence de roulottes ou de véhicules récréatifs utilisés à des fins temporaires d'habitation lors d'un événement spécial, tel qu'une fête familiale, un mariage ou un autre rassemblement. Il est donc proposé et résolu qu'exceptionnellement, les membres du conseil autorisent la présence de roulottes ou de véhicules récréatifs sans avoir effectué des demandes de permis à l'urbanisme sur tout son territoire lors de la fête d'auvergne du comité des fêtes du 125e, soit la fin de semaine du 20 ou 22 août 2021, afin que tous puissent assister à la fête d'auvergne 2021. Madame Chéron, merci. Acquisition de l'église. Information supplémentaire. Considérant que la municipalité désire acquérir l'église.
considérant que le carnet de santé effectué dernièrement, faisant référence à la résolution 182-11-20, confirme qu'il y aura des travaux, des entretiens futurs d'une envergure d'environ 200 000 $ sur une période approximative de 5 ans, considérant que les travaux sont prévus selon les urgences et conditionnels aux subventions demandées et reçues, considérant que le prix d'achat de l'église sera de 1 $ en considération de l'hébergement des offices religieux dans la section de la sacristie sur un bail de 5 ans renouvelable, laquelle pourra contenir un maximum de 60 personnes. Considérant que pour désacraliser l'autre partie du bâtiment, ce qu'on appelle le garde, l'hôtel, pourra être retiré ou déplacé dans la sacristie, advenant que les membres de la fabrique désirent le garder. Il est proposé et résolu que la municipalité réitère son intérêt pour l'acquisition de l'église et demande à la fabrique du Nord de continuer les démarches en ce sens. Monsieur Lozier, merci. Remboursement de la subvention du programme Nouveaux Horizons 2018. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a obtenu une subvention au montant de 15 021 $ pour le projet de rente d'accès à la piscine municipale. Ça concerne le dossier 015-883-143. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne n'a pas été en mesure de mettre le projet à terme à la suite d'un dépassement inattendu des coûts prévus, il est proposé par et résolu d'effectuer le remboursement de la subvention au montant de 15 021 $ à l'ordre du receveur général du Canada pour le dossier 0158-831-43 afin de fermer le dossier. Monsieur Paquet, merci. Autorisation pour la présentation d'un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise la présentation du projet d'amélioration des infrastructures du parc Godefroy-Lavalée au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désigne Mme Isabelle Genois, responsable des loisirs et du développement, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Monsieur Ouellet, merci. L'ajout à la séance ordinaire du 14, il n'y a aucun ajout qui a été fait. Période de questions et requêtes des citoyens. Il n'y a pas de questions d'abord des citoyens. Correspondance. Portez-vous de correspondance. Si vous désirez obtenir une correspondance ci-dessous, veuillez s'il vous plaît faire parvenir par un courriel à Mme Julie Bédard en mentionnant le numéro de la dite correspondance à l'adresse suivante. Direction@sca.québec. On a reçu du gouvernement du Québec le 21 juin 2021 un programme d'infrastructure locale en rapport avec le voie d'entretien le 23 du même mois équipe justice pour le rapport annuel et la même journée le ministre André la relance des activités. André la forêt. Oui, c'est ça. La forêt sur le parc. La forêt sur le parc. Ah, c'est ça. Selon sa ministre du Manache. Le 20 mai, on a eu la Chambre des commerces, le remerciement. Le 16 juin, le gouvernement du Québec, le ministère du MTQ, programme d'infrastructure locale pour le volet circonscription. Et le 11 juin, toujours du gouvernement du Québec, toujours le MTQ, un programme d'aide pour les logements. Alors maintenant, le comité de la voirie et des travaux publics, M. Paquet, va nous parler. Oui, c'est moi ici, ça a été le tour des camions, l'entretien des camions.
Il y a des broussaillages, le temps montage des rues qui étaient faites. Il y a des broussaillages dans Saint-Jacques. Le bord des rues, la partie boisonnée qui a fait la grandeur de la municipalité. Les initiales du rang de Saint-Anne et Saint-Jacques. Je reste à terminer. Alors, on passe à la comité incendie, M. Ouellet. Merci, M. le maire. En fait, on a eu des félicitations du directeur de service incendie, M. Cédric Pamandon, à l'effet qu'on a eu juste une sortie, dans le fond, c'était pour un danger électrique, le mot pour ça. Pour un total, 21,8, pour un grand total des deux municipalités de 27. C'est ce qui complète le rapport d'incendie. Donc, nous avons les 8-27e. Voilà. Très bien, c'est ça. Parfait. Des questions, M. Ouellet? Non. C'est beau. Comité des ressources humaines, Mme Chenot. Bon, alors, le camp de jour est commencé depuis la semaine du 27 juin. Les quatre animateurs ont donc commencé leur saison 2021. Et vraiment, il y a des activités de prévues. Il y a un succès. Déjà, on sent là, que les jeunes et les animateurs sont dans un mode actif et créatif. Madame Stéphanie Riedman nous quitte. La municipalité a pris donc la décision de créer deux postes distincts et des entrevues ainsi que l'embauche sera faite dans les prochaines semaines. Les deux postes offerts sont trésorière adjointe, 21 à 28 heures par semaine et secrétaire 30 heures par semaine. Les vacances estivales commenceront bientôt pour les employés de la municipalité. Nous vous demandons de ne pas oublier que Mme Marilyn Jaimpa sera en vacances du 23 juillet au 8 août. Donc, il n'y aura pas possibilité d'avoir un permis durant cette période. Les informations, voici maintenant les formations suivies par les employés pendant le mois de juin. Une formation MMQ sur les sentiers a été suivie par Patrick et Isabelle Genois. Une formation Lire au camp a été suivi par Isabelle Genois. Formation sur les plantes envahissantes, les tiques et les coups de chaleur. Une formation qui a été donnée par le CIUS, la capitale, à laquelle Bruno, Patrick et Michael ont participé. Et finalement, une formation pour les élections a été suivie par Stéphanie Wilman. Compte tenu qu'elle quitte, est-ce que cette formation-là va être reprise par une autre personne? Absolument, on n'a pas le choix. La personne qui va prendre le poste de Stéphanie n'aura pas le choix de suivre. Formation pour les élections très rapidement. Et j'en profite aussi pour souligner l'excellent travail de Mme Lundman. Ça nous fait beaucoup de peine d'avoir quitté, mais elle améliore son sort et on en est heureux. J'ai des questions pour Mme Chalot. Merci. On va rentrer dans les dispens. Notez donc l'installation de bagateurs à l'église, la plantation annuelle qui a été faite au complet dans les plateformes de la municipalité. Côté du jardin maraîcher, bien, les légumes, vous pouvez le voir, l'enjouer par vous-même, poussent très bien. Alors, on invite les citoyens à venir aider à l'entretien et par le fait même à récolter les légumes qui sont prêts. La plate-bande au coin Saint-Jacques et le principal a été agrandi et un contour en bois rond a été installé. En passant, c'est très bien, bien pensé. Et enfin, l'entretien continue à se faire. Tout au long de l'été, il faut remercier également les bénévoles qui ont fait du désherbage de façon récurrente pour les dernières semaines. Une question? On a appris tout à l'heure que les bacs à fleurs et les lits vont être à être déplacés. C'est juste la différence de ce qui a été présenté. Alors, merci, Mme Morin. On est rendu au comité des loisirs et développement. M. Lausier. Oui, merci, M. Donc, niveau des loisirs, quelques petits points. Le camp de jour, comme ma collègue m'a parlé, c'est complet. Il y a déjà 20 000 inscriptions, temps plein, temps partiel. La piscine est ouverte normalement 7 jours sur 7, devant la météo, entre 11h et 19h.
Le sentier d'Auvergne est maintenant aménagé d'un bac à jouets, d'une poubelle ainsi que d'un foyer près de la rivière, mais s'il y a des endroits propres, évidemment, pour respecter les lieux. Le marché aux puces aura lieu le 1er août prochain. Il est possible de réserver une table au coût de 20 $ ou aussi par courriel, on peut s'adresser à loisirs@sca.québec ou au téléphone 418-329-3304, poste 105. L'événement, évidemment, n'aura pas lieu en cas de plus. Le Cinépark aura aussi sa deuxième édition cette année. Quelques projections. Le jeudi 15 juillet, film pour les 13 ans et plus, La déesse des mouches à feu. Vendredi le 16 juillet, film pour enfants, La grande cabane. Vendredi, excusez-moi, jeudi 5 août, film pour adultes. Je ne vais pas être en film. Je me dis adolescent et adulte. Vendredi 6 août, film familial, La guerre des ducs, excusez-moi. Nous tenons la visite de l'unité mobile aussi pour les 0 à 5 ans, les 14 juillet et le 3 août prochain, soit de 9h15 le matin à 10h45, devant l'ancien presbytère. Nous invitons tous les parents à venir faire les activités avec, pour la thématique, le cirque et la mer et océan avec vos enfants de 5 ans. Le développement, quelques petits points. Jardin collectif, comme vous venez d'en parler, Mme Morin. Pousse est un jardin commun à cultiver dont on partage le fruit des récoltes. Pousse vert ou jardin en herbe, vous pouvez venir contribuer en arrosant les légumes assoiffés, en soirée seulement, en désherbant et en veillant à la propriété des lieux. Ce magnifique jardin est situé derrière l'hôtel de ville. Sous la supervision de la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf, nous offrons le service d'un frigo solidaire. Celui-ci aide en priorité à remplir les frigos de nos citoyens qui ne devraient pas être vides. Il est aussi possible d'aller déposer des denrées périssables ou non pour donner au suivant. Nous aiderons ainsi à limiter le gaspillage alimentaire. On invite aussi les citoyens dans le besoin à venir prendre des produits dans le frigo. L'événement du 125e arrive à grand pas pour la programmation en pièce joint, sur le site internet pour la vente. Il y a un besoin qui était produit. Et puis la bibliothèque, jusqu'à quelques points encore, donc toujours lieu maintenant ici au rez-de-chaussée de l'édifice principal. Et puis s'il y a besoin, vous pouvez contacter Mme Sylvie Costataire au 418-329-3304, le poste 107. C'est ouvert mercredi 16h à 19h, jeudi 13h à 16h et samedi 9h à midi. Merci. Si vous avez des questions, M. Gauzier? Non, merci M. Gauzier. Alors maintenant, on est rendu au comité des aînés de famille, Mme Duchesneau. Alors, le comité s'est réuni, a tenu une première rencontre suite à l'adoption de la politique. Et on a repris le plan d'action, on en fait une lecture. Une prochaine rencontre qui va être tenue en septembre prochain. Alors, on va s'assurer qu'il y ait des actions, tout ça, pour la prochaine année. C'est tout. Est-ce qu'il y en a des questions, Mme Duchesneau? Non? Merci. Saint-Basile, Sainte-Christine d'Auvergne, M. Leclerc, merci. C'est juste pour rappeler qu'on a toujours notre siècle, qui a une bonne réunion la dernière semaine, mais la siècle est toujours disponible pour les jeunes. Donc, on invite les jeunes à téléphoner. C'est des jeunes qui vont se déplacer pour faire des petits travaux. Donc, tu en rappelles. Tu peux acheter la liste, dans le fond, des tâches qu'ils offrent, des travaux qu'ils offrent, vont être disponibles sous peu sur les cours. Dans le prochain découvert, qui est sur le site web aussi. Numéro 1, ça c'est beau. Vous avez des questions? Non, ben disons que j'étais présent la semaine dernière lorsque. À l'ouverture de ces lits. Moi, je n'ai pas eu d'invitation. J'ai jamais eu d'invitation. Je ne sais pas. Comment tu en parlerais ton comité? Ouais, ben c'est ça. Mais malgré que c'était à 4 heures l'après-midi. Oui, c'est ça. Je sais que le responsable présentement n'est pas disponible, il est en maladie. Donc, c'est comme plein de monde qui ont pris des dossiers. Fait que, on a beaucoup d'attentes aussi à communiquer avec eux ces temps-ci, mais ils répondent pour les plans. Okay. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? M. Leclerc, non? On va lui donner la parole toujours pour la Régie régionale de la gestion des affaires des nouvelles de Portneuf. Oui, la dernière réunion a lieu le 17 juin. En visioconférence. Donc, toute réunion pour approuver des comptes fournisseurs au 31 mai, d'1 228 055.
L'approbation du rapport budgétaire au 31 mai. Donc, pour la période au 31 mai, on parle de 555 162 pour un cumulatif de 3 928 855, ce qui représente 30% de notre budget, ce qu'on avait budgété. Et au niveau des charges de fonctionnement, on est rendu, en fait, pour la période au 31 mai, 936 216 pour un cumulatif de 5 458 396, qui représente 26% du budget. Ensuite de ça, on a eu, en fait, on a adopté le règlement 37-20-21, modifié le règlement 37-20-10 sur la gestion contractuelle. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà parlé ici, là, c'est que la régie va favoriser les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs du Québec. Donc, on l'avait déjà adopté là, en conférence là, dernièrement. Et puis, on a eu des reconnaissances au niveau de notre centre de tri, là, le CRD. Notre centre de tri, là, il est niveau bronze au Québec là, parmi plusieurs. Là, avec, on est les meilleurs là, au niveau de, du taux de recyclage et de valorisation à 51%. Donc, ça va très très bien de ce côté-là. Puis, concernant les postes, il y a des postes sur le site Internet de la Régie, des postes de directeur, directrice adjointe, puis il y a des postes étudiants, patrouilleurs et animateurs. Donc, il y a encore des postes d'été, là, on est pas mal avancé dans l'été. En tout cas, je pense. Là. Il y a encore des postes qui sont ouverts là, pour les animateurs. Alors, ça fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Le Clair? Merci. OK. Autre point d'information, mais disons que j'ai pris la décision d'arrêter de parler de la MRC. La raison est bien simple, c'est que sur le site de la municipalité, vous allez pouvoir avoir un accès qui va vous donner le contenu de ce que c'est que la MRC. C'est-à-dire que, et vous pouvez aller sur la MRC aussi pour voir le contenu du procès verbal. Parce que je trouvais ça fastidieux pour vous autres qui m'écoutiez, autant les élus que les citoyens. Alors, j'ai pensé faire sauter ça. Après ça, le procès verbal. Dans les cours d'Auvergne, dans le futur, le procès verbal ne sera pas à l'intérieur. La raison aussi, c'est que d'abord, ça prenait beaucoup de papier pour essayer de sauver des arbres, même si on est d'une région qui en a beaucoup. En plus de ça, disons que l'information, nous l'avons sur le site de la municipalité. Et si quelqu'un voulait une copie écrite, on va lui remettre si en fait non. Donc, je pense que, je veux dire, tout est là. Je veux dire, on ne cache rien, on est transparent. Mais je pense qu'il faut être de plus en plus efficace, économe et vert. Il y en a eu des questions. C'est bien beau. Alors, maintenant, les points d'information peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité à www.sca.québec. Maintenant, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Madame Morin. Merci.